Bonjour tout le monde, c'est Chris. On se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Resident Evil 4. Dans l'épisode précédent, on s'est fait courser par la statue de Salazar. Bon, évidemment, on s'en était sorti indemne. On s'est arrêté juste devant le fameux boss. Que vous allez voir tout de suite. Je vais vous le dire avant, faut savoir que ce boss là peut nous tuer en un coup. Mr. Kennedy. The ritual is over. She left with my men to an island. What? Bah, merci de me souhaiter la bienvenue, c'est gentil. Bon, le deuxième bras droit et Salazar se font aspirer par l'espèce de plante. Qu'est-ce que ça va donner? Un truc dégueulasse. Ah bah, tant qu'à faire. Oh, je te préfère avant. Monsters. Guess after this there'll be one less to worry about. Faut tirer sur l'œil. Et du coup, pendant ce temps-là, il est vulnérable aux attaques. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai acheté le lance-roquette en fait. Je voulais pas galérer et user beaucoup de munitions. Par contre, il y a une fois où je me suis fait avoir et je crois que l'argent du boss s'est disparu. Donc la première chose que je vais faire, je vais le récupérer. Donc 50 000. Ça me rembourse largement plus que... Ça me rembourse largement plus de l'achat du lance-roquette. Évidemment, il y a plein de choses à récupérer. Oh, j'aurais pu la manger. Encore deux, et je crois qu'il y a deux choses en haut encore. Voilà, on se refait en munitions de fusil à pompe, parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai pas beaucoup, et comme vous voyez, on peut même plus revenir en arrière. Tiens, je vais la bouffer, celle-là. Ça va? Non, on peut plus du tout. Eh, hey, monsieur le marchand, viens de nous ouvrir. Maintenant, je n'ai plus de place. C'est le bordel. En fait, je vous ai dit que les munitions de Magnum qu'on vient de choper juste à côté de la machine à écrire, je vous ai dit que c'était les dernières. En fait, non, je me suis rappelé d'un endroit, dans pas très longtemps d'ailleurs, et je crois que c'est vraiment les dernières, celles-là. On s'est refait aussi en balle de Magnum, c'est plutôt pas mal.
5 sprays, une vert rouge, une complète et une jaune. C'est parfait tout ça. Donc on va aller sur l'île, vu qu'Ashley nous a emmené sur une île. Donc c'est fort probable qu'on prenne un bateau. On va pas y aller à la nage quand même. Je regarde si j'ai un oublié là, on sait jamais. Alors, que je me trompe pas. Non, c'est pas celle-là. Voilà, t'as cru que t'allais m'avoir, toi. Ah, il y en a là aussi? Ouais, mais là, à mon avis, c'est. C'est complètement aléatoire. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Mais il y en a encore un. Donc, il y en a encore un autre dans un autre endroit. Dans pas longtemps, d'ailleurs. Pour l'argent, j'ai de la place. C'est tout. Fais-moi voir ça. J'ai plus de place. Non, l'œuf de poupoule, je le garde. Thank you. What are you buying? Vin? Je suis à combien là? What are you buying? Je suis à 16. What are you buying? 16 et sniper. Tiens. Thank you. TMP 250. Je suis à combien là? Merde, c'est trop bas. 26. Ah bah avec plaisir. What are you buying? Exclusif. Augmente la puissance de feu de l'arme au-delà des limites initiales. Combien? 100 000. Is that all, stranger? Thank you. Donc on a une TMP surpuissante. Voilà. 2, 4. Ça nous fait 650 balles de TMP. Bah c'est pas mal tout ça. Et boum, allez, on enfonce la porte. Ah ah. Ouais, avec plaisir, surtout avec toi. Ok. Bah donc, fin du chapitre. Je vous ai juste coupé le boss, quoi. Donc 86%, j'ai augmenté. 79, ennemi tué 40, 46. Quoi, même pas 10 minutes là, ça fait 8 minutes. On va continuer un petit peu quand même, je vais pas vous arrêter là. Jolie jambe. À plus tard, ma belle. Oh, les femmes. Women. Bah ouais, les femmes. On annonce plus Salazar, que c'est qui va décrocher. Ah d'accord, c'est le grand chef, maintenant. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. No. Oh. Writhe in my cage of torment, my friend. My friend? Ah, d'accord. Dun, dun.
m'en arrive doucement de la fin, hein. Il reste plus que donc ce chapitre-là, le 5-1, le 5-2 et le 5-3. Ouais, j'arrive. Je t'entends. Ouais, c'est bon, doucement. Allez, Putain, tu peux lui faire une prise de catch, là. Est-ce que je peux tirer? Non, à mon avis, je peux pas tirer sur le machin. Oula. Salut les gars, à la prochaine. J'ai un petit problème. On va continuer tranquillement. Oui, ça c'est un gros problème, ça aussi. Ça c'est très con. Bravo Chris. Ça aussi, ça fait y être très con. Normalement, les dernières balles de Magnum. Yeah.
approcher. Avec les grenades qu'on a, on va s'en servir. Hein. J'aurais pas dû faire ça en fait. Ah non mince, faut que j'aille d'abord à la porte. Parce que normalement, ça va pas marcher. Tant qu'à faire, je peux le faire déjà. T'as toujours la musique alors qu'il n'y a personne. Allez, tourne, tourne. Quoi? Ah ouais, non, je me suis gouré. Faudrait que je retourne à l'autre. Je fais n'importe quoi dans cet épisode, c'est... D'accord, maintenant la musique s'arrête. Que ça arrête parce qu'on a ouvert la porte. D'accord. Le rocher, on l'a pas grillé. Oh.
les deux, je vais peut-être la garder. Enfin, les garder. Y'a rien derrière. Bon, c'est juste lui. Donc y'a rien, d'accord. Bon, bah, on va remonter. De toute façon, on est obligé. Très intelligent ça. Non. Vous avez remarqué le petit tonneau, c'est bien là pour quelque chose. C'est pour un trésor. Le lynx doré. Évidemment, il n'est pas complet. Il faut insérer trois petites pierres dedans. Bon, est-ce que j'ai tout pris ici? Oh, l'émeraude. Donc là, c'est là où on voit où il y a le trésor. Non, le mec on lance roquette. Apparemment oui. Ah, c'est là. Thank you.
encore de balles de Magnum. J'ai de la chance, dis donc. Ouh là là! Encore. Putain, il crève jamais ou quoi? Putain, je suis dessus, bordel. Marchons ici. Welcome. Got some rare. What are you buying? Nouvelle liste, voilà. C'est tout? Bah ouais, à mon avis, ça doit être tout. What are you selling? Is that all? Thank you. Come back anytime. Non, non, viens là, viens là. Comme ça, j'ai tout amélioré. Enfin, pas à fond, mais bien. Orange. Voilà, bah, je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Et donc je vous dis rendez-vous très bientôt pour la suite de notre Let's Play sur Resident Evil 4. Allez, salut !